Bonjour à tous, I welcome you all in this new video of my channel Dermophore. D'accord, dans cette vidéo, l'on va discuter à propos du livre Entregen pour les étudiants de la classe 10e. In these videos, we will discuss about the book Entregen for the students of class 10th. Now, the first chapter of the book Entregen, it is Retrouvons nos amis. Retrouvons nos amis. In the first part of the explanation, we will discuss about the title. Retrouvons. C'est la forme impérative du verbe retrouver. It is which form? It is the imperative form of the verb retrouver. I will quickly give you, revise you with the imperative form. Imperative form, it exists only with three subjects. Tu, nous et vous. D'accord? Par exemple, si l'on peut prendre l'exemple du verbe parler. If we take the example of verb parler, then the imperatives are parle, parlons, parlez. D'accord, il y a trois impératifs pour chaque verbe. D'accord, en première personne et dans la deuxième personne. Maintenant, retrouvons nos amis. Retrouvons. It is the imperative form of the verb retrouver. What is the verb retrouver? Okay, you can just deduce the sense, the meaning of the verb from the word itself. Retrouver. Break it into two parts. Re et trouver. D'accord. Re. It denotes again in French, always. It denotes again. Re. And trouver. It is a verb about which you have already studied in the previous classes. To find. It is the simple ER verb. Trouver. Re. Retrouver. That is to find again. Par exemple, j'essaie de retrouver mon stylo paumé. J'essaie. Essayer, c'est la conjugaison du verbe essayer. It is a conjugation of essayer verb, to try. De retrouver, to find again, mon stylo paumé. D'accord, paumé. C'est un mot qui est déduit du verbe paumé. Paumé, it is the word which has been deduced from the verb paumé. Paumé, it means, it is the synonym of perdre, which means to lose. Okay, so I try to find again my lost pen. Essayer. Il y a beaucoup de synonymes qui existent pour ce mot, pour ce verbe. There are a lot of synonyms which exist for this verb. And one of the synonyms, it is s'efforcer de. D'accord? Par exemple, vous auriez pu utiliser. You could have used in this sense. Je m'efforce de retrouver mon stylo paumé. D'accord? D'accord, maintenant je vais vous donner quelques mots importants qui sont utilisés dans la première feuille de ce chapitre. L'amitié. L'amitié, it is friendship. Now, some synonyms of this word are la camaraderie, la compagnie. L'on peut utiliser ce mot dans beaucoup de contextes. Par exemple, l'on peut l'utiliser dans les lettres également. We use this often in the letters also. D'accord. Et par exemple, si l'on a participé dans quelques rendez-vous, if we have been a part of some meeting avec nos amis, with our friends, when we are going back to our house, we often use the phrase vive l'amitié, long live our friendship in France. D'accord? Maintenant, phrase importante, a very important phrase, vive l'amitié. Vive, c'est la forme impérative en troisième personne. About this tense you will learn in your later classes. For now, vive, it is used in a lot of contexts and it means long live. For example, there is a phrase which has been a lot used. Il y a une phrase qui est beaucoup utilisée, qui est beaucoup usée par les Français. Vive la France. Chaque parole, the ministre français termine par cette phrase. Each speech of any French minister always terminates with these words. Vive la France. Long live France. Maintenant, il y avait comme je vous ai déjà évoqué qu'il y a beaucoup de synonymes qui existent. As I have already said you that there are a lot of synonyms which exist for essayer,
And one of it is sforzedo. Now just a little bit of modification is made, and we can use these also as synonyms. They mean to strive to do something, to make a lot of efforts to do something. Sevelchue a faire quelque chose. S'acharner à faire quelque chose. S'échiner à faire quelque chose. Vous pourriez bien les noter dans un carnet et vous pourriez bien les inclure dans votre conversation pour que vous puissiez rendre bien plus puissant vos paroles. D'accord? So you can include these verbs in your conversations so your speech becomes much more effective, so you can speak French with a lot of command. Now I will explain you this paragraph, which is in the first page of the first chapter of the book Entre-jeunes. Retrouvons nos amis. In this paragraph, you will learn a lot about describing personalities, describing oneself, and a lot more. Maintenant, nous avons déjà rencontré ces personnages. Nous avons déjà rencontré ces personnages. We have already met these personalities. Les reconnais-tu? Do you recognize them? Présente-les. Present them. Akanksha Sethi. Elle a 17 ans. Akanksha Sethi. She has an age of 17 years. Elle est en terminale L. She is in the literature terminal. Son frère s'appelle Kunal. Il a 18 ans. Il est en terminale S. His brother calls himself Kunal. He has an age of 18 years and he is in the scientific terminal. En France, il y a deux terminales que l'on peut considérer, la terminale L et la terminale S. La terminale L, cela signifie la terminale de la série littéraire. Et la terminale de la série scientifique, c'est la terminale S. D'accord? Comme c'est bien écrit ici, imprimé ici. Leur père travaille à l'ambassade de l'Inde en France. Their father works in the French embassy, in the Indian embassy at France. Leur mère est professeur de musique classique indienne. Their mother is a teacher, a professor of Indian classical music. Maintenant, comme vous avez déjà constaté ici, j'ai fait un anneau. As you notice here, I have made a little circle here between A and professor. D'accord? Pourquoi c'est ça? La raison, the reason, it is that we never use an article when A is followed by a profession. Ok, par exemple, mon père est informaticien. Je vais pas le dire. I will not say mon père est un informaticien, mon père est le informaticien. D'accord? Je suis censé dire, I am supposed to say, mon père est informaticien. D'accord? Sans utiliser d'article avant informaticien. Voici Nargis et voilà Ali. D'accord, j'ai oublié une phrase. Ils habitent de rue Balzac. They live in Second Street, Balzac. Voici Nargis et voilà Ali. Here is Nargis and there is Ali. Ils sont sénégalaises. Maintenant, c'est une forme que l'on peut adopter pour bien décrire la nationalité. It is the form that we adopt to describe the nationalities. Ils sont sénégalaises. They are Senegals. Leurs parents habitent à Dakar au Sénégal. Their parents live in Dakar, in the country Senegal. Leur père est informaticien. Comme ici, vous avez bien constaté qu'il n'y a pas d'article qui est utilisé entre et informaticien. Their father is informatician. D'accord? Ça veut dire un homme qui est spécialisé en informatique. A man who has specialized in the informatics in the computers. Il travaille chez IBM. He works at the IBM. C'est une compagnie multinationale. C'est une entreprise multinationale. D'accord? Voici Pauline et Denis. Ils sont français. Here is Pauline and here are Pauline and Denis. They are French. Ils sont tous des amis. They are all friends. Vive l'amitié. Maintenant, comme vous avez déjà constaté ici, as you have already noticed here, the use of this expression, vive l'amitié. C'est pour cette raison que j'ai bien dit que c'est une expression très importante
Quando poi utilizzo da beaucoup de contexte, surtout après une conversation. Vive l'amitié, long live our friendship.